Emmanuel Macron était en visite aux Pays-Bas ce mardi. Le président français s'est entretenu avec le premier ministre néerlandais Mark Rutte pour tenter de le rallier au plan de relance européen destiné à contrer les effets de la crise sanitaire. Un plan de 750 milliards d'euros qui viendrait surtout bénéficier aux pays du Sud, les plus touchés par la crise du Covid-19, mais qui se heurte aux réticences de quatre États, l'Autriche, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. D'après le locataire de l'Élysée, les négociations avancent, mais la course contre la montre se poursuit pour convaincre les partenaires européens d'ici le sommet extraordinaire qui réunira les dirigeants des 27 à Bruxelles dès le 17 juillet. Un sommet voué à entériner le plan de relance par le biais d'un accord, alors qu'une première réunion a laissé apparaître de profonds désaccords dans ce dossier vendredi. Le chef du gouvernement néerlandais, lui, ne croyait guère à un texte finalisé à cette échéance.